Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Top par Classe. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série de Top par Classe qui commence, comme d'habitude avec le Top Mutant comme vous avez pu le voir dans le titre. Quelques petits changements par rapport à la dernière fois, donc je vous rappelle que je fais tous les 3 mois à peu près ces Top. Là ça risque d'être les derniers pour cette année. Je pense que les prochains, ça sera plutôt sur janvier, parce que comme la saga là dure 4 mois, et que généralement j'aime bien la faire fin du mois, du premier mois de la nouvelle saga. Donc là pour le coup, la saga est arrivée en septembre, donc je trouve ça plutôt bien de la faire sur fin septembre, début octobre. Donc je rappelle, comme d'habitude, que c'est un top uniquement offensif. La défense n'est pas du tout prise en compte. Les deux modes de jeu les plus pris en compte, évidemment, sont l'attaque GA et l'attaque Battleground. Tous les autres modes de jeu sont pris en compte, mais avec des degrés un peu moins importants. Je prends en compte, évidemment, les champions joués de la bonne façon, avec les bonnes maîtrises, même si les maîtrises suicides sont mises, sont entre guillemets... on prend en compte quand même l'handicap que ça représente. Pareil pour les synergies sont prises en compte tout en prenant en compte l'handicap que c'est à côté. Si c'est avec un perso tout pourri, évidemment, c'est un énorme handicap. Si c'est un énorme champion que vous mettez à côté, c'est quand même moins un handicap. Bref, voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Et voilà, et de toute façon, ça n'est qu'un classement personnel, hein, je rappelle. Mon objectif, c'est juste de pouvoir vous aider potentiellement, ceux en tout cas qui en ont besoin, à vous donner un petit peu mon avis sur les champions actuellement. Et voilà, ça n'a pas plus de vocation que ça, c'est pas un classement officiel. Voilà, il n'y a rien d'officiel. De toute façon, dites-vous que peu importe qui fait le classement, que ça soit le youtubeur américain numéro 1, le youtubeur anglais numéro 1, peu importe qui ça sera, le meilleur joueur de MCOC, s'il y a un meilleur joueur, imaginons il y a le top 1 des joueurs de MCOC, imaginons lui-même fait le classement, bah même son classement, il sera pas forcément le plus... Enfin, en fait, ça pourra jamais être représentatif à 100%. Tout simplement parce que personne ne joue tous les champions de la même façon, personne n'a évolué de la même façon dans le jeu, parce qu'il y a des gens qui jouent depuis le début, il y a des gens qui sont arrivés après, donc évidemment, nous qui avons joué depuis le début, on a évolué avec certains champions qui existaient à ce moment-là et certains autres qui n'existaient pas encore, donc on a dû faire face à des difficultés avec certains champions qui n'existent pas maintenant, et donc voilà, on a dû, entre guillemets, il y avait moins de possibilités à une époque sur certains contenus. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que ça sert à rien de s'offusquer parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sachez que si vous faites un classement et que au final vous mettez le classement que vous voulez, imaginons il y a un truc, c'est complètement déconnant par rapport à moi ce que j'ai fait, sachez que moi aussi je serais pas d'accord avec votre top quand même, et c'est pas pour autant que je vais vous insulter ou que je vais crier crier à la corruption et tout, enfin bref, voilà, vous avez compris, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais évidemment, ça sert à rien de s'offusquer, ça sert à rien de partir en live et tout, de dire « ah, mais machin, un truc » et tout, d'être hyper négatif, non, l'idée là, c'est juste d'échanger sur cette classe mutante, qui est une classe assez sympa, même si un peu en retrait, je dirais, par rapport à une autre époque, où c'était vraiment la meilleure classe du jeu, et... ouais, de loin, je dirais. Mais voilà, l'idée, c'est d'échanger les points de vue, mais évidemment, de façon cordiale. Voilà, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus agréable, et je vous avoue que c'est plus agréable aussi de mon côté à y répondre. Je vais pas vous mentir, si je vois un commentaire où globalement, on me prend pour un con, je vais pas y répondre, en fait. Ou je vais y répondre en prenant pour un con la personne. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt, en fait, pour vous et pour moi. Donc, voilà, autant répondre de façon cordiale, c'est toujours plus sympa. Bref. On est parti pour ce top 20 mutants. Donc on va aller chez les mutants, évidemment. Et donc on va commencer avec le top 20. Alors il faut savoir que du coup les mutants, c'est je pense une des classes qui va le moins bouger. Alors il y a eu des changements quand même. Il y a eu pas mal de changements. Il y a globalement 5 champions qui restent au même endroit sur les 20. Donc il y a quand même eu du changement. Mais sachez que c'est une des deux classes qui n'a pas du tout été impactée par la saga, c'est-à-dire que c'était, enfin, l'ancienne saga, donc dans l'ancienne version des tops, il n'y avait pas de saga pour cette classe-là, donc pour la classe mutant, comme Mystique d'ailleurs,
Et là, du coup, ils sont toujours pas, ils y sont toujours pas. Par exemple, vous voyez, Cosmic et Virtuose vont être impactés parce que, bah, en fait, la saga est partie. Donc, en fait, tous les champions qui ont été augmentés par la saga, bah, et qui ne le sont plus, et qui, bah, globalement, perdent un peu au change en termes de hype et tout, bah, évidemment, forcément, vont perdre des places, et vont peut-être, et certains champions qui, du coup, avaient baissé parce qu'ils n'avaient pas la saga, vont peut-être reprendre leur place. Voilà, donc ça, c'est pour les classes Virtuose Cosmic. Évidemment, pour les classes Tech et Science, c'est l'inverse. C'est qu'il y a des champions qui ont la saga, qui vont, du coup, prendre des places à certains qui ne l'ont pas, et du coup, ça va beaucoup changer le classement. Le classement Science, je l'ai devant moi, il y a tout qui change, globalement. Hein. Donc, moi, et à tous les étages. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer que c'est une des deux classes qui va le moins bouger. Et sachant que Mystique, il y a quand même deux arrivées dans les trois derniers mois. Sachant que dans les trois derniers mois, en gros, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en gros, c'est donc dans les trois derniers mois, évidemment, le dernier mois qui avait été pris en compte, c'était juin. Donc c'était Arcade et North Star. Donc c'était le premier mois de la nouvelle saga. Donc il faut savoir que du coup, là, dans cette nouvelle occurrence, il y a tous les champions de juillet, d'août, de septembre, plus les rework et les champions Deathless. Bon, globalement, là, en champion Deathless, il y a Vision, en gros. Il y a Vision en plus. Et il y a le rework d'Iron Man Sup. Et les 9 champions. Donc, en gros, il y a 11 champions qui, potentiellement, font leur arrivée dans un top. Bref. Voilà. Et donc, en mutant, il y a 0 nouveaux champions, 0 rework et 0 Deathless. Donc, ça va aller assez vite. Donc, 20e position, on est parti avec un champion très, très résistant qui perd néanmoins une petite place. C'est Colossus. Colossus, triple immu. Saignement, incinération et vague de froid. Personnage très résistant avec ses armures. Très bon contre à pas mal de champions. Hein, au-delà de ça, qui a des petites compétences qui sont assez sympas. Le fait de gagner plus de pouvoir quand vous avez une réduction de comp en face. Le fait bon, déjà de faire du parade brise-garde et donc de pouvoir déjà retirer des vies dès que vous faites une parade. Et en plus de ça, de gagner une énorme furie sur son brise-garde. Ça, c'est plutôt intéressant. Couplé à un SP2 qu'on voit vraiment beaucoup. Ça peut être sympa, en plus de ça, il a beaucoup de buffs. Donc sur certaines bornes, évidemment, ça sera embêtant et vous ne pourrez pas l'utiliser sur les bornes qui punissent les buffs. Par contre, sur les bornes où il y a besoin de buffs, là, pour le coup, vous serez au max. Voilà. Et sachant que les mutants qui ont des buffs, c'est pas non plus monnaie courante. Il y en a de plus en plus, c'est du passif. Donc, c'est plutôt sympa. Mais il perd une place au profit d'un personnage qui, du coup, monte un petit peu. Et ce champion, alors je ne l'ai pas monté sur ce compte, je l'ai monté plutôt sur le deuxième compte, c'est... Le crapaud, ou Toad en anglais, voilà, qui gagne une place, qui était 20e, qui passe 19e. Il n'y a pas de nouvelles arrivées et tout. Les 20, c'est toujours les mêmes que dans l'autre top. Il y a plein de changements, mais c'est les 20 mêmes, pour le coup. Du coup, Crapaud, personnage excellent, avec, du coup, une immunité des poisons. Une possibilité de régénération assez intéressante. La possibilité de taper très très fort avec ses spés, notamment si vous faites full SP1. Moi je sais que personnellement j'aime beaucoup faire full SP1 parce que ça permet de mettre un maximum de poison sur l'adversaire. Ça permet également de garder vos prouesses. Donc en fait au bout d'un moment le SP1 il devient absolument dingue. Et je sais que c'est hyper intéressant, bah, notamment sur des contenus style GA. J'avais utilisé aussi, je crois que c'était sur le Printemps de Chagrin. Bref, il est toujours très intéressant. C'est toujours intéressant en fait de monter le crapaud, je trouve. Parce qu'en fait, il a des compétences, il a une utilité en fait. Il n'est pas très compliqué à jouer, il n'a pas des polyvalences de fou sur le papier. Mais en fait, il a plein... Enfin, en fait, le fait de pouvoir mettre ses dégâts de poison, mais en même temps taper fort sur les SP et tout, d'avoir un peu une mixité de dégâts, je trouve ça hyper intéressant et ça fait ses preuves, en fait, parce que dans pas mal de contenus, bah, en fait, on se dit, bah ouais, là, le crapaud, trop bien. Dans la saga X-Magica, il était absolument excellent, en fait. Absolument excellent. Alors qu'il y avait plein d'autres persos, hein, mutants qui avaient la saga. Mais pour le coup, bah, on prenait souvent Toad, parce qu'il était quand même très, très, très fort. Voilà, et notamment pour la bande 49, hein, la bande 49 où il y a besoin de mettre des poisons facilement, bah le crapaud, t'as accès à des poisons de façon totalement sûre et certaine. Donc c'est plutôt intéressant. Le crapaud, 19e. En 18e position, on a un personnage qui baisse. Ce personnage, eh bien, c'est l'ami Avok, qui est ici. L'ami Avok, alors que je dois avoir en 7 quand même, on va le prendre en 7 étoiles. Avok, 7 étoiles. Bref, Avok 18ème. Avok, grosse résistance énergétique, immu-inspiration. Il fait des dégâts, lui, en fait, c'est un peu pareil que Crapaud, je dirais. Sauf qu'il a quand même un peu plus de polyvalence. Mais ce qui est en fait hyper intéressant avec Avok, c'est que, bah pareil, il y a une mixité de dégâts. Il y a des gros dégâts sur SP2, sur SP3.
Il y a des dégâts sur le temps avec le debuff de réaction. Il y a des dégâts directs avec les trop pleins de plasma et tout. Bref, il y a plein de trucs hyper intéressants en fait. Et au-delà de ça, bah, il a son immunité comme Toad. Et il a également cette résistance énergétique. Je dirais que par rapport à Toad, bah, globalement, ce qui fait la différence, c'est cette résistance énergétique. Qui est quand même une des plus grosses du jeu. On va la voir ici, là. Tac, résistance énergétique. Oui, elle est... Non. Alors, ils ne la mettent pas là, du coup. Ils ne la mettent pas là, mais ils la mettent ici, voilà. Vous avez, du coup, 2500 de résistance énergétique, qui est quand même une des plus importantes du jeu. Et ça lui permet quand même de prendre beaucoup moins cher sur des vagues de froid, sur des décharges, sur des neurochocs, sur des trucs comme ça. C'est plutôt intéressant. Et donc, Avok, 18e. En 17e position, on va parler de Dust. Dust qui fait un gros bond en arrière, malheureusement. Il y a pas mal de champions qui lui passent devant. Non pas que ça soit un mauvais champion, hein, du tout, hein, dans le sens, c'est un très très bon champion. Mais en fait, disons que les champions qui sont au-dessus, bah, en fait, sont globalement plus utilisés, en fait, tout simplement. Hein, plus utilisés, notamment le personnage qui est au-dessus. Moi, personnellement, je préfère Dust, hein, entre les deux. Mais il n'empêche que, bah, en fait, on voit beaucoup plus les quelques personnages au-dessus, devant lesquels Dust était à la base. Bah en fait, on les voit... En fait, globalement, Dust, il y a les deux personnages qui sont passés au-dessus et il y a un personnage qui a fait un gros bond en avant et du coup, elle est passée derrière. Donc voilà, elle a perdu 3 places. Je crois qu'elle était 14e avant. Donc voilà. Néanmoins, ça reste un personnage qui a une triple immu. Saignement, incinération et décharge. Ah non, saignement, poison, décharge, pardon. C'est pas incinération. Bah non, incinération, je suis con. Bah justement... Je suis con, les inspirations, c'est justement ce qui l'emmerde. Donc non, elle peut pas être immu, inspiration. Mais au-delà de ça, voilà, il y a toute son articulation autour des sables qui deviennent des passifs si vous purifiez. Il y a des dégâts directs et également, du coup, il y a ses prouesses qui sont hyper intéressants. Elle gère les irrésistibles aussi grâce à sa petite compétence de cran, qui est une nouvelle compétence, ça, qui a été notamment plus popularisée avec Shields. Mais sinon voilà, c'est un personnage vraiment qui tape fort. Qui tape fort, qui a des dégâts sur le temps avec sa tempête de sable et tout, qui est vraiment super agréable à jouer. Maintenant, il y a des personnages qui sont un peu plus intéressants en mutant, je dirais. Ensuite, d'ailleurs, il faut que je mette la focale de stats. Je vais la mettre maintenant. Non, je peux pas. Ah si, je peux. Je vais mettre la focale de stats maintenant. Je vais en profiter parce que sinon, je ne le ferai absolument jamais. Donc, on va changer la focale de stats parce que là, ça, c'est une énorme connerie d'avoir fait ça. Un mutant, très souvent, c'est quand même des prouesses. Ensuite, en 16e position, donc du coup, on a un personnage. Moi, personnellement, voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup, mais c'est Negasonic. Negasonic, bon, personnage qui est arrivé, du coup, très récemment, hein, c'est un personnage de mai. Mai, oui, c'était le mois de mai. Qui était le mois que j'ai le moins préféré de l'année, hein, pour l'instant, et je pense que ça sera difficile de faire pire, dans le sens où c'était vraiment le mois où j'étais le moins hypé par les persos, et je pense que ça faisait des années que j'avais pas été aussi peu hypé par un mois, un peu plus par Silver Sable, mais encore que, hein, et encore que, c'était vraiment en me forçant un peu. Negasonic, donc, qui met que du passif, et ça c'est plutôt pas mal, donc qui a sa charge de prémonition, qui lui permet qui lui permet en fait d'étourdir l'adversaire et tout, et d'ensuite faire son brise-garde pour mettre la vulnérabilité à incinération, et ensuite de faire, du coup, de mettre des incinérations avec son spear et tout. Elle peut aller jusqu'à 40 incinérations, je crois, de mémoire. Bref, voilà, c'est plutôt intéressant. Après maintenant, oui, c'est ça, elle peut aller à 40 et elle peut les réinitialiser. Voilà, en fait, le truc, c'est que Negasonic, je trouve que, en fait, à part mettre des incinérations, en fait, je trouve qu'elle tape pas très très fort, en fait. Ok, elle tape un peu bien sur le temps et tout, mais c'est pas non plus une énorme dinguerie. Et en fait, globalement, l'idée de Negasonic, c'est très bon contre à Bullseye, parce que effet de saignement d'évasion et effet de direct, donc les directs, c'est les dégâts directs, focalisation directe, pression directe, enfin tout ça, du coup, ont moins de compétences. Donc du coup, en fait, ça veut dire que contre Bullseye, en fait, elle prend très peu de dégâts. Et en plus de ça, il y a elle peut pas faire éviter les attaques. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est une de ses grosses compétences, je trouve. Et au-delà de ça, il y a le fait de mettre des incinérations très très facilement. C'est hyper intéressant sur certains contenus, certaines bornes en GA. Et donc je sais que sur certaines bornes en GA, c'est un des personnages très utilisés en ce moment. Malgré qu'elle n'ait pas la saga. Maintenant, voilà, je trouve qu'elle est quand même un peu limitée sur, on va dire, un truc un peu plus élargi. Mais elle augmente d'une place, néanmoins, en passant devant Dust. En 15e position, on va retrouver un personnage qui, du coup, augmente. Je crois qu'il augmente. Ah, je sais même plus s'il augmente.
Ah, il doit augmenter si quand même. C'est l'ami Omega Red. Alors Omega Red, toujours le même truc, hein, de toute façon, hein, c'est un énorme personnage, notamment avec des dégâts sur le temps abusifs quand il est en champ mortel, plus dégénérescence, etc. Très bon en régène également. Le seul problème, en fait, c'est que bah, pour le jouer de façon efficace, bah, le mieux, c'était en maîtrise suicide. Et le problème, c'est que bah, les maîtrises suicides, c'est quand même un peu emmerdant pour pas mal d'autres champions. Donc, évidemment, un Omega Red. Si vous l'avez enfin si vous le prenez juste comme ça en maîtrise suicide et que vous prenez pas du tout en compte l'handicap, il est évidemment top 10. Il se rapproche même d'un top 5, je pense. Ouais, je pense qu'il se rapproche d'un top 5. Il est peut-être plus top 5, mais il s'en rapproche. Le truc, c'est que si tu le mets pas si tu le mets pas en maîtrise suicide, bah il est hors du top 20. Donc voilà, j'ai fait une sorte de mix qui donne du coup une 15e position. Voilà. Mais très bon champion, hein, double immu aussi, enfin double résistance, poison et enfin poison, immunisé poison et grosse résistance saignement. Bref, personnage très sympa. En 14e position, on va parler d'un personnage qui baisse un petit peu, c'est Domino. Domino, personnage intéressant, hein, de la classe mutante, évidemment, qui était un des must-haves de la dernière saga. Qui a baissé hein, depuis, du coup, comme elle n'a plus la saga et qu'elle n'est du coup plus trop utilisée. Néanmoins, ça reste toujours une valeur sûre de la classe mutant, avec des dégâts qui peuvent être abusifs en SP2, sur ses saignements, etc. Des réductions de comp, des évasions qui peuvent ne pas pop hein, si vous mettez comment s'appelle, la malchance. Mais par contre, le problème, c'est que c'est très aléatoire. C'est le problème de Domino, et c'est pour ça qu'elle n'est que 14e. En 13e position, on a également un personnage qui baisse, un personnage qui est toujours une valeur sûre hein, en 5 étoiles, enfin en 5 étoiles et en 6 étoiles. Il n'existe pas encore en 7. Ce personnage, eh bien, je crois que je ne l'ai pas monté d'ailleurs. C'est vrai que je devrais le monter en 6 quand même. Je devrais le monter en 6. C'est Magneto. Magneto, donc, un tueur de robots. Voilà, énorme tueur de robots. Énorme tueur également de personnages magnétisés. Maintenant, hors de tout ça, c'est un personnage très très lambda. Et c'est surtout contre les robots qu'il est incroyable. Disons que contre les seulement magnétisés, il a des compétences très sympas. Notamment bah, le fait de réduire les comps, d'empêcher les taux de régène. Ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, voilà, il y a quand même. Les dégâts sont quand même pas aussi incroyable que contre les robots. Donc voilà. Mais néanmoins, ça reste un personnage de grande, grande qualité. De grande qualité. Et voilà, qui fait des énormes dégâts, notamment grâce à son SP3 de l'enfer, là, qui fait une énorme tuerie. Ensuite, 12e position. Alors là, on est sur un personnage qui fait une énorme baisse. Je crois qu'on était sur un personnage qui était aux alentours du top 5. Je crois, peut-être 6e, un truc comme ça. Et là, on a une énorme S, pourtant c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est Danny Moonstar. Danny Moonstar, en fait, pourquoi je la baisse? Bah, tout simplement parce que, en fait, j'ai fait un petit, genre, en fait, je la mettais à chaque fois en comparaison avec ceux du dessous, et je faisais, bah non, elle est plus utilisée, ou lui, il est plus utilisé, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, bah, genre, au final, elle a reculé. Elle a reculé naturellement. En fait, le truc, c'est que Danny Moonstar est à plutôt fort. Elle a des compétences plutôt sympas, notamment son ralentissement sur SP1 qui est hyper intéressant. Mais en fait, j'ai l'impression que genre, bah même dans la saga et tout, elle n'était pas non plus utilisée des masses. Et même moi, je vous avoue que je l'ai montée cette R2. Bah, c'est pas un personnage que j'utilise beaucoup, beaucoup. Et pourtant, je l'adore. Hein. Attention, j'adore le gameplay de Danny Moonstar et tout. Mais au final, bah, je vous avoue qu'en mutant, enfin, c'est jamais le personnage auquel je pense en premier. Et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est ça. Dites-moi votre avis sur Danny Moonstar dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est que tout le monde y pense, tout le monde sait qu'elle est là. Elle est intéressante, mais au final, bah, pas si jouée que ça, en fait. Pas si jouée que ça, même en Battleground et tout. Enfin voilà. Donc, voilà. 12e, ça reste une bonne place, néanmoins. Mais moins bonne place que ce qu'elle avait avant. En tout cas, elle sort du top 10. En 11e position, on a un personnage qui ne bouge pas. Et ce personnage, c'est Sunspot. Sunspot, toujours une valeur sûre, extrêmement puissant. Extrêmement puissant avec bah, notamment la possibilité de gagner, enfin de faire des SP1 pour gagner des états d'éruption, consommer ses charges solaires avec les incinérations et ensuite en regagner évidemment en faisant des blocages parfaits, en faisant un brise-gars qui permet de consommer les charges solaires, enfin les incinérations pour regagner des charges solaires et gagner du pouvoir. Et ensuite vous avez l'énorme SP2 qui fait des dégâts monstrueux.
Voilà, il punit très très bien les personnages qui purifient également, parce que ça lui permet de regagner du pouvoir et de regagner ses charges solaires, donc c'est hyper intéressant. Bref, Sunspot, personnage de malade qui mérite totalement une place de choix, néanmoins, ça, c'était compliqué de le faire entrer dans un top 10. En 10e position, eh bien, on arrive avec Northstar, Vega, qui du coup baisse pas mal, hein, parce que je crois que je l'avais mis 5e. Déjà, bon, de toute façon, je vous l'avais un petit peu teasé, parce que bah, je l'ai baissé dans mes dernières tier list. Northstar, du coup, 10e. Personnage très sympa, je l'ai pas mal joué dans l'acte 9. Personnage, mine de rien, très très sympa, qui donne beaucoup beaucoup de coups, hein, c'est un gameplay très particulier. Néanmoins, très efficace, avec pas mal de polyvalence, notamment bah, comme Danny Moustard sur SP1, le petit ralentissement passif qui fait quand même sacrément kiffer, qui est un peu moins long par contre, mais qui fait sacrément kiffer. Au-delà de ça, vous avez la possibilité donc de garder du pouvoir, vous avez la possibilité de mettre des dégâts directs et tout. Et en fait, c'est globalement un personnage qui, alors, sera peut-être pas trop trop jouable sur des contenus très 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 courts, mais en fait, dès que le contenu prend un petit peu plus de longueur, bah en fait, il devient super intéressant. Et je vous avoue que j'attends juste une chose, c'est qu'il ait la prochaine saga. Je vous avoue que s'il pouvait avoir la prochaine saga, ça pourrait être absolument incroyable. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas monté de mutant en 7R3 sur le gros compte. Et je vous avoue que j'attends, je sais pas trop, entre lui, entre Tornade, entre. En fait, j'ai plein de possibilités, mais en fait, je me dis, mais en fait, je préfère attendre de voir qui aura la prochaine saga en mutant. Parce qu'en fait, ça sert à rien que je le monte lui si jamais il a pas la saga, quoi. C'est quand même moins intéressant. Mais en tout cas, personnage super intéressant, voilà, qui permet. Qui permet. Enfin, qui. En gros, il peut garder ses effets avec le SP1 en mettant en pause ses prouesses, en mettant en pause ses trucs de lumière là, je sais plus, ses réverbérations. Voilà, c'est ça qui lui permet de mettre des dégâts directs. Bref, c'est un personnage vraiment très très complet. Néanmoins, ce qui lui fait perdre des places, c'est que bah, son gameplay est quand même un petit peu plus long que les autres à mettre en place. On attendra de voir, je pense. On attendra de voir dans 2 mois, je crois que c'est à peu près dans 2 mois, qu'ils vont nous sortir le post pour savoir s'il est rework ou pas. Alors, je vous avoue que je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'un rework, en fait. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un rework, mais peut-être juste de faire que ça soit un petit peu plus rapide à mettre en place, peut-être. Pour qu'il soit un peu plus jouable sur des contenus un peu plus courts, ça serait hyper intéressant parce que je trouve le perso archi stylé et au-delà de ça, il y a des compétences très sympas. Et quand il arrive au max de sa puissance, c'est juste une énorme dinguerie, quoi. C'est juste une énorme dinguerie. Bref, Northstar, 10e. En 9e position, on a un personnage qui augmente beaucoup et je pense que ça fera plaisir à certains d'entre vous qui l'aiment bien et qui militaient des fois pour le voir un petit peu plus haut. Il monte également parce que c'est un personnage qui peut plutôt bien se démerder sur la saga, c'est l'ami Profix. Profix qui passe 9e, qui revient dans le top 10. Alors c'est pas un personnage malheureusement que je joue beaucoup. Malheureusement, je l'ai joué à une époque, parce qu'à une époque je l'avais en 5R5. Et c'était à l'époque où les 6 étaient pas. Enfin les 5R5 étaient encore bien, quoi, étaient encore jouables. Aujourd'hui, bon voilà. Le truc, c'est que je l'ai pas forcément monté trop en 6 et derrière en 7, je l'ai pas monté, quoi. Voilà. Mais au-delà de ça, personnage très sympa, qui gère les évasions, qui gère les manqués, c'est aussi pour ça que dans la saga il est intéressant. Il peut également contrôler l'esprit de l'adversaire, et ce qui permet de gérer du coup le pouvoir un peu de l'adversaire, enfin en tout cas gérer la capacité de l'adversaire à faire ses spés. Et globalement ça vous permet en fait de balancer vos spés, il y a tout un gameplay au niveau des prouesses, de les maintenir et tout, avec les charges de cérébraux qui permettent de... Enfin je sais pas si c'est les charges de cérébraux. Si, c'est charges de cérébraux qui vont à 10. Non, c'est sa canalisation. Les charges de cérébraux, c'est les trucs persistants qui lui permettent d'activer. Enfin, pas qui active, mais qui permettent d'améliorer les synergies, notamment. Mais en tout cas, Profix, très, très, très intéressant. Franchement, super intéressant. Comme champion qui est hyper complet, hyper polyvalent, peut-être un petit peu long à mettre en place sur certains contenus un peu courts. C'est un peu, en fait, c'est un peu comme North Star, je dirais, peut-être un peu plus court que North Star, mais peut-être moins une dinguerie que North Star à long terme. Enfin, en gros, je dirais que au bout d'une minute ou deux, genre quand le combat est bien installé, je pense que North Star tape plus fort que Profix. En fait, je pense que North Star a un plus gros potentiel de dégâts, mais je pense par contre que North Star est plus long à mettre en place que Profix. Et comme je vous ai dit, c'est GA et Battleground en priorité. Bon, voilà. Évidemment, Profix sera devant.
En huitième. Donc là, globalement, on va retrouver tous les champions. Tous les champions. En fait, il y a tous les champions qui gagnent quelques places là. Grâce à la baisse de Northstar, à la baisse de Danny Moonstar. Donc voilà, il y a pas mal de persos qui augmentent. Et donc le premier, c'est Bishop, qui du coup est 8ème. Énorme SP2, énorme puissance, grosse résistance énergétique également, un peu comme Avoc. Et voilà, globalement, possibilité de se régène, les saignements, il peut les purifier. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Et voilà, je vous avoue que j'attends de l'éveiller pour un peu plus le jouer en 7 étoiles, je vous avoue. Ensuite, on a en 7ème position un de mes 7 étoiles mutants principales, c'est l'ami Tornade. Tornade, personnage de malade, hein, franchement personnage de malade. C'est mon attaquant de raid, bon, même si c'est pas non plus le truc à prendre en compte de ouf. Voilà, c'est quand même un truc à prendre en compte. Voilà, donc Tornade, personnage donc également avec un énorme SP2, avec des énormes SP globalement. Mais par rapport à Bishop, l'avantage, c'est qu'elle peut être jouée en full brise garde avec en cavalier apocalypse. Et ça, c'est une grosse dinguerie. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est juste du grand n'importe quoi. Donc voilà, Tornade, 7ème position. En 6ème position, on a un personnage qui augmente un petit peu également, c'est Apocalypse. Apocalypse donc qui réaugmente parce que pareil, Northstar qui baisse, je crois que c'était Northstar qui était devant lui. Donc il doit reprendre une place, je pense. Ou Danny Moonstar était peut-être devant aussi, je sais plus. Bref, en tout cas, Apocalypse qui réaugmente. Voilà, un des mutants principaux. Hein, voilà, peut-être un petit peu long à mettre en place. Et c'est vrai qu'en Battleground, c'est un petit peu moins joie. Mais en GA, ça reste une valeur sûre, notamment pour la ligne 7. Parce qu'il ne peut pas s'y repurifier. Et en plus de ça, vous avez la capacité d'être hyper intéressant sur les combats un petit peu plus longs avec la synergie avec Strife. Vous avez la possibilité aussi d'être un énorme soutien. Voilà, c'est un des personnages qui rend le plus de persos à côté très bon. Hein, on peut parler de Kang, on peut parler de Cable. Maintenant, en plus, il y a Sinister qui devient énorme avec Apocalypse. Enfin bref, maintenant, cette synergie-là, ton destin est mien, je pense que c'est la meilleure du jeu, hein, très clairement. C'est clairement la meilleure du jeu. Parce que franchement, Mister Sinister, débuff de dégaine qui gagne 50% de puissance, Kang qui gagne ses furies, et Cable qui met ses dégaines sur Brisegarde, et en plus de ça, Apocalypse qui commence le combat, le premier combat d'une quête avec tous ses codes génétiques, enfin c'est une énorme dinguerie. Bref, cette synergie-là, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, maintenant, Sinister, il est au top du top. Donc, Apocalypse 6ème. On rentre dans le top 5 avec du coup Iceman qui retourne. Iceman qui du coup en était parti parce que du coup il y avait Northstar qui était arrivé et j'estimais que Northstar allait être devant. Bon au final non hein, pour le coup. Non, Iceman revient en 5ème position avec une quadruple immu. Je crois que c'est un des seuls champions qui est quadruple immu. Au-delà de ça, personnage très puissant, grâce à son rework qu'il a eu l'année dernière, voilà, c'est un personnage qui est devenu extrêmement puissant, qui peut résister aux étourdissements, qui peut résister aux SP3, qui peut gérer les évasions. Bref, il y a tellement de trucs qu'il gère, ce Iceman, c'est une énorme dinguerie. Il met des dégâts sur SP2 qui peuvent être intéressants, il met également des dégâts directs, il peut mettre des dégâts sur le temps avec sa vague de froid. Bref, il a une mixité de dégâts, une polyvalence qui en font un des mutants principaux du jeu. Ensuite, nous avons Kitty Pryde, du coup, en 4ème position. Donc là, pour le coup, alors je vais aller vite parce qu'il n'y a absolument aucun mouvement sur ce top 4. Kitty Pryde, qui, du coup, est 4ème. Voilà, toujours un gameplay très particulier, hein, un peu à la style Ghost, inversé, avec la possibilité donc de passer à travers les SP. En fait, c'est plus un truc entre Ghost et Morbus maintenant, au final. On peut faire un peu mix Ghost-Morbus, parce que du coup, elle passe à travers les SP, ça permet de mettre des dégâts directs, ça permet aussi, bah, globalement, de contre-attaquer assez facilement, ça lui fait quand même une bonne recovery, hein, mine de rien. Et au-delà de ça, ça lui fait des bons dégâts avec ses SP1 qui met des inspirations, le SP2 qui est ultra puissant, et voilà. Franchement, non, un énorme perso, immu-inspiration également, donc voilà, super perso. On arrive dans le top 3, le top 3 est composé pour commencer d'un personnage qui n'est pas en 7 étoiles, et je pense que c'est pour le mieux pour le moment, et ce personnage, eh bien, c'est Archangel. Archangel, du coup, que j'ai toujours que 6 R4, il va falloir que je monte ICR5 lui, hein, d'ailleurs. Bref, en tout cas, Archangel,
enfin excellent perso hein, de toute façon. Dès qu'un personnage globalement n'est pas immu poison ni immu saignement, eh bien vous savez que vous pouvez y aller avec un plan de gel. Ou qu'il ne les punit pas évidemment, ou qu'il est immu debuff, ou immu étourdissement, etc. Dès qu'il y a pas ces quelques petites choses possibles, bah vous prenez Archangel et vous pouvez détruire l'adversaire. C'est un des meilleurs attaquants de Battleground. Même s'il est peut-être un petit peu en retrait aujourd'hui, peut-être un peu plus qu'avant. Mais en tout cas, ça reste quand même une très bonne solution, quoi qu'il arrive, pour les Battlegrounds, et une très bonne solution pour le jeu dans sa globalité. Hein. En deuxième position, on va parler d'un des mutants principaux des dernières années, hein, je dirais, et bah, il est sorti l'année dernière de toute façon, hein, donc voilà. Onslaught, personnage absolument dingue, hein, qui est sorti en décembre dernier, hein, qui a bientôt un an, hein, ce personnage. Et voilà, hein, des dégènes absolument dingues, hein, la conversion de ses neurochocs en dégènes, les charges de découragement, le magnétisme également, enfin c'est hyper intéressant, c'est un personnage vraiment hyper puissant, qui a en plus de ça plein, plein, plein de résistances, hein, qui a des résistances. Au debuff, enfin oui c'est ça, au dégâts de saignement d'incinération de décharge, donc il est en gros triple immu quoi, donc très 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 intéressant, et contre les virtuoses en plus de ça il met plus facilement ses neurochocs, bref c'est une énorme dinguerie ce Onslaught, et il mérite totalement une place dans le top 3. Je sais que certains vont me dire ah il aurait dû être premier et tout, je sais, j'y suis préparé, mais il n'empêche que pour moi, le premier, ça reste toujours Mister Sinister. Mister Sinister, personnage absolument dingue. On a parlé de la synergie d'Apo tout à l'heure. Mais voilà, globalement, Mister Sinister, on n'en a même pas besoin. Hein. C'est un personnage absolument dingue. Avec son gameplay fait de parade, de brise-garde maintenue. Voilà, c'est juste une énorme dinguerie, en fait. Hein. C'est juste une énorme dinguerie, ce perso. Voilà, il mérite totalement la première place pour moi. J'espère qu'il y aura la prochaine saga. Surtout que là, en plus de ça, il est mis en avant là dans cette saga. Alors c'est plutôt défensivement là qu'il est mis en avant. Mais il est mis en avant parce que on va pouvoir l'avoir en 7 étoiles à la fin de cette saga. Et ça se trouve, ça va justement appeler le fait que derrière, il sera en saga, il sera offensif. Enfin, il sera dans la saga offensivement. En tout cas, voilà, des dégâts de dégaine absolument dingues, une gestion des saignements parfaite. Immu contre l'inversé, immu aux attaques imbloquables, on peut pas réduire sa régène à part si vous êtes un tech, enfin bref, c'est absolument n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi ce perso. Voilà, globalement, vous le jouez en full spé 1, il n'y a même pas besoin d'aller en spé 2, d'aller en spé 3, ils sont tous les deux pétés ces spé. Par contre, le spé 1, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, full brise-garde spé 1, et voilà, vous détruisez tout ce que vous avez en face. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Petite info d'ailleurs, oui c'est vrai, parce qu'il y a peut-être des petits malins qui vont me mettre en commentaire. Eh oui, pourquoi Negasonic est devant Dust alors que Dust dans la tier list, elle est devant Negasonic? Sachez que Negasonic va passer en S à la prochaine tier list. La tier list est sortie très récemment, mais là, en fait, l'idée c'est que je refasse, enfin que mes tops, je les refasse à partir de ma tier list, en repartant de la tier list. Et si je vois un truc qui me choque trop, là vous voyez par exemple, bah, pour l'instant, j'ai préparé la mutant, la cosmique que vous allez voir dans 2 jours. Et j'ai préparé le top science aussi, donc les 3 premiers. Et à chaque fois, il y a un truc que je vais changer. Pas plus, mais il y a à chaque fois une petite rectification que je vais faire. Donc voilà, dans l'idée, Negasonic et la petite rectification que je ferai. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous auriez fait différemment. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains tops. Hein. Mettez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. On est bientôt aux 13 000 abonnés. Donc si on peut atteindre les 13 000 abonnés avant la fin de cette année. Et en plus là, il y a des énormes contenus qui vont arriver. Hein, avec notamment le mois de novembre, le mois de décembre, le mois d'octobre. Voilà, tous les derniers mois de l'année, généralement, c'est toujours les mois les plus ouf. Donc voilà, en décembre, il y a toutes les vidéos que je fais un peu annuellement avec les champions, enfin le top champion de l'année, donc des champions sortis sur l'année. Il y a plein de vidéos très très stylées que je prépare donc, tout le temps en décembre, un peu pour se projeter sur l'année d'après, bref. En plus de ça, là c'est les 10 ans, c'est pas n'importe quel anniversaire. Donc, restez connectés, abonnez-vous, c'est très important. Et moi je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus avec du coup demain mon passage sur le 2.0, sur le Toad de l'été de souffrance avec. Pas mal de champions, vous m'avez beaucoup beaucoup demandé. Encore une fois, mon deuxième compte était beaucoup plus armé que mon gros compte. Hein. Donc voilà, vous découvrirez ça demain et top cosmique du coup dans 2 jours. Merci à vous, bonne soirée, salut!